غفل عن الموت، لا تغفل عن الموت، ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين. الموت يأتيكم بغتة وأنتم لا. للموت قبل أن ننادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجيب. Frontière, car c'est ici qui est la frontière entre les vivants et les morts. La tombe nous appelle chaque jour. Venez vers moi, je suis la maison de l'obscurité. Je suis la maison des insectes. Je suis la maison qui est que tu vas rester seul, abandonné. La maison dont aujourd'hui les mêmes politiciens, les hommes forts, les hommes riches, les religieux, quand ils sont couchés ici, ils ont été mangés par des insectes. Et ces insectes-là vont être mangés par d'autres insectes. Et ils vont devenir, ils vont rester que des os. ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. هنيئا. في aujourd'hui toi mon frère qui suit cette vidéo qui te dit tu es beau, tu es grand, tu as de l'argent, tu as la force, tu as la puissance. Wallahi, ta puissance va terminer ici. Ta grandeur va terminer ici. Ta beauté, ça va terminer ici. Et qu'est-ce que tu vas avoir comme échange si tu n'avais pas la place envers Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont les jeunes? Où sont nos jeunes musulmans aujourd'hui? Où est-ce qu'on a mis la dignité et la fraternité des jeunes musulmans aujourd'hui? Quand on nous parle que on doit laisser la musique, et beaucoup de jeunes musulmans, des non-musulmans vont dire la musique c'est la viande, l'esprit de la vie. Regardez aujourd'hui dans le monde, regardez dans les hôpitaux, combien de musulmans vous allez trouver avant sa mort de réciter la kalima shahada, de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Combien? Il y a des gens qui sont nés avant, jusqu'à sa mort, il n'a jamais croisé quelqu'un qui récite la kalima shahada avant sa mort. Savez-vous qu'est-ce qui nous empêche à faire cette kalima shahada avant la mort? C'est la musique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la musique fait agrandir l'hypocrisie dans le corps comme l'eau fait grandir les arbres. Raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes musulmans et les non-musulmans ne peuvent même pas réciter la kalima shahad avant leur mort. Allahu Akbar. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbu ad-dunya li tul al-baqa walakin li siyam al-hawajir wa qiyam al-layl wa mujalasat al-ulama. انظر على ماذا يبكون انظر على ماذا يتحسرون. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والجبار باني. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. سيأتي اليوم الذي ستمدد. On est en train de chercher la paix, on cherche la vie, on cherche la miséricorde, on cherche ça dans quoi? Dans le haram? On est en train de chercher la paix dans le haram, dans le zina, dans le vol, dans les boîtes de nuit, dans tout cela on cherche l'amour d'Allah et la paix.
Mais on ne va pas les trouver là-bas, ça ne se trouve pas là-bas, toute la paix qu'on cherche, la paix du Caire. Va demander les politiciens qu'ils ont pris de l'argent de l'État, qu'ils ont volé, qu'ils ont acheté des immeubles. Wallah, ils n'ont jamais trouvé la paix dans tout ce qu'ils ont acheté, dans toutes les limousines qu'ils ont achetées. Va regarder les hommes riches qui ont gagné de l'argent dans les chemins haram. Tu vas leur demander, ils ont la paix. Ils n'ont pas la paix, wallahi. Pour avoir la paix, ils doivent boire, ils doivent courtiser des femmes, ils doivent faire ceci, cela pour avoir la paix. Et aujourd'hui, je vous invite, mes très chers frères et sœurs dans l'islam, je vous invite la paix. La paix, vous allez la trouver. Venez vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où seulement vous allez trouver la paix. La paix du cœur, ça se trouve seulement que dans l'adoration d'Allah, dans la prosternation d'Allah, dans écouter le bayan, dans écouter les prédications, de faire beaucoup de zikri. Tout ce qui est fait pour Allah, suivez ça, wallahi, vous aurez la paix. Aujourd'hui, on va voir les jeunes filles qui s'habillent n'importe comment, alors que ta maman, on l'a trouvé pas. Le jour qu'on a, ton papa a trouvé ta maman, il l'a pas trouvé avec une mini-jupe. Il l'a trouvé avec une pagne. Mais aujourd'hui, tu vas trouver. Les jeunes aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là de se faire les mini-jupes pour que l'homme court derrière lui. L'homme qui t'a trouvé dans le péché, dans les zinas, il va te laisser aussi dans les zinas. Au moins qu'une déception se fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, les jeunes garçons, mon fils, mon ami, mon petit frère, depuis que tu as baissé ton pantalon sous tes fesses, tu ne veux pas les fesses soulever. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À qui tu veux montrer tes fesses? À qui tu veux montrer ton dos? Je suis un garçon, je n'aurais pas envie de toi. J'aurais envie d'une femme. Mais pourquoi toi tu veux me montrer tes fesses? Ce qui veut dire, tu as mauvaise intention. Tu veux montrer les gens, les garçons de fesses qui sont des PD pour courir derrière tes fesses. Wallahi, aujourd'hui je suis devant la tombe pour te raconter, pour te rappeler que cet endroit, tu ne seras jamais échappé d'ici. Dans cet endroit, tu ne seras jamais épargné d'ici. Et Allah va te frapper de ça. Tôt ou tard, tu seras récompensé de ça. Et tu seras payé de ce que tu as fait aujourd'hui. Mes très chers frères, si vous avez même pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous rappelle votre Dieu qui est la mort. Aujourd'hui, regarde combien de musulmans sont couchés ici. Combien de musulmans sont couchés ici? Le cimetière appartient aux musulmans et non-musulmans. Regardez de l'autre côté, vous allez voir combien de non-musulmans sont couchés. Des centaines de hectares de musulmans, de non-musulmans couchés. Et tous ces gens-là, ils étaient dans les cités. Ils avaient des maisons, ils avaient des foyers, ils avaient tout. Mais ils ont tout laissé, ils sont là. Wallahi, je...